Le point suivant concerne une convention de mise à disposition de terrain sur la commune de Pierre-Percée. Je donne la parole à Monsieur le vice-président délégué à la culture, Pascal Maure. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, on revient vers vous sur ce projet porté par la communauté d'agglomération sur la mise en valeur patrimoniale et de consolidation patrimoniale et touristique du château de Salm, le château qui se situe à Pierre-Percée. Donc, ce n'est pas la première fois que l'on évoque ce sujet au sein de cette assemblée, puisque nous avons déjà pris deux délibérations sur ce sujet, en particulier sur la mise en place de la maîtrise d'ouvrage et sur l'étude préalable. Donc là, nous sommes à l'étape supérieure, c'est-à-dire que après les études, nous passons à la phase opérationnelle, c'est-à-dire la première phase de travaux, qui est la phase de consolidation patrimoniale. Et cette phase de travaux nécessite une formalisation un petit peu plus importante de la mise à disposition des terrains sur lesquels se situe le château, bien que déjà en 2017, la commune de Pierre-Percée ait déjà manifesté son souhait de travailler en convention de mise à disposition de ces terrains avec la communauté d'agglomération. Nous devons renouveler cette convention de façon plus précise, de plus formelle. Donc en fait, nous avons ce soir à voter. A adopté une convention de mise à disposition de terrain entre la commune de Pierre-Percée et la communauté d'agglomération. S'agissant donc des terrains, ces deux parcelles, en fait, section AB numéro 1 et section AB numéro 3, lieu-dit le château, c'est normal, d'une contenance de 26 arts et de 1 hectare. C'est l'objet de mise à disposition, qu'on renouvelle effectivement cette mise à disposition qui avait déjà été octroyée par la commune, avec des obligations des parties. Donc l'obligation de la commune, s'engage à laisser libre accès au maître d'ouvrage du projet et des prestataires désignés. La commune s'engage à faire respecter la sécurité de la zone et en cela, le maire conserve ses pouvoirs de police. En contrepartie, il y a des obligations de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. La communauté s'engage à utiliser les terrains mis à disposition dans le seul cadre du projet de valorisation touristique et culturelle prévu à l'article 1. La communauté d'agglomération s'engage également à respecter les lieux mis à disposition, les maintenir en bon état et signaler bien sûr toute anomalie à la commune. Et troisième point, la communauté d'agglomération s'engage à informer la commune de l'avancée du projet. Alors là, effectivement, nous allons commencer ces travaux bientôt. Il y a eu des avancées déjà en termes d'ouverture de plis, mais il n'y a pas encore eu d'entreprises qui ont été choisies. C'est en cours. Mais vraisemblablement, les travaux devraient commencer, et là je parle plus particulièrement au maire de Pierre-Percée, les travaux devraient commencer fin décembre ou 2020, tout début 2020. Voilà. En termes d'assurance, la communauté En d'agglomération fonction s'engage des à. conditions atmosphériques, hein, bien sûr, Bien sûr, et oui. météorologiques surtout. S'engage à souscrire, bien sûr, à la signature de la convention, une assurance responsabilité civile dans le cadre de ses missions, couvrant les dommages dans le cadre de ses missions. D'autre part, la commune, elle, s'engage à poursuivre le cas échéant ou à souscrire une nouvelle signature. De la convention, une assurance ad hoc en sa qualité de propriétaire. Article important, la mise à disposition des terrains désignés à l'article 1 est à titre gratuit. Et enfin, la convention est consentie pour une durée de 6 ans. Elle sera renouvelée tacitement pour la même durée. Et les autres articles sont classiques sur ce type de convention. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? On aura l'occasion de revenir peut-être sur ces travaux d'investissement dans le cadre de la présentation, en particulier du budget au mois de décembre. S'il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ah, il y a une abstention. Le maire de Pierre-Percée, une délicatesse qui l'honore.